Bestiaire Digimon, la chronique d'analyse de données Digimon. Les Digimon du désert. Qu'est-ce que tu fais, Koshiro? Tantomon, excuse-moi, j'ai beaucoup de données à traiter. On ne devrait pas plutôt se concentrer sur Shora et Pyoma? Justement, j'essaye de localiser leur position dans la pyramide, mais le réseau du continent serveur est complexe. Oui, c'est une région curieuse. D'abord tous ces engrenages noirs sur l'île fichier, puis maintenant tous ces câbles ici. Je ne sais combien de fois j'ai trébuché dessus. Mais tu voles, Tantomon! Ah, effectivement. En tout cas, nous avons découvert beaucoup de choses aujourd'hui. Je sens qu'on est proche de découvrir la vérité sur ce monde et comment rentrer chez nous. Oui, et tu avais dit que notre monde et le vôtre étaient comme connectés, c'est ça? Et qu'on avait le même réseau d'intérêt? Le même réseau internet, Tantomon. On se trouve, selon moi, dans le réseau de notre monde. Et tout ce qui est ici est fait de programmes et de données informatiques. J'ai pas la fibre informatique, ça n'imprime pas bien là-haut. Mais alors Tahiti n'avait pas raison de penser que vous ne risquiez pas de vous blesser si ce ne sont pas vos vrais corps? Non, ce qui nous arrive ici est bien réel. Nous pouvons nous blesser comme Takeru s'est fait mal en trébuchant, ou Yamato qui avait attrapé froid. Les sensations qu'on ressent sont bien réelles en tout cas. Ah, tu as raison. Et s'il ne pouvait rien vous arriver, on ne serait plus capable d'évoluer pour vous protéger. Et je veux quand même savoir de quoi j'aurais l'air sous ma forme parfaite. Oui, je suis impatient de découvrir ta nouvelle forme, surtout depuis que j'ai trouvé mon emblème avec Yamato quand on a rencontré Piccolomon. Mais en même temps, j'ai un peu peur qu'il t'arrive la même chose que Greymon. Tu peux m'en dire plus sur son évolution? C'est un virus, c'est ça? Oui, Skull Greymon est un Digimon virus squelette du stade parfait. Et son goût pour le combat l'a fait tellement s'accrocher à la vie qu'il en est devenu un monstre animé par la haine, continuant à se battre sans relâche, malgré son corps pourrissant. Heureusement que tout a fini par s'arranger, mais maintenant notre gros problème, c'est Temon. Il faudrait comprendre comment se défaire de son attaque Love Serenade. Elle bloque totalement vos capacités. On ne peut pas se permettre de se retrouver face à Nanomon sans pouvoir riposter. Réfléchissons. Itemon est un Digimon marionnette virus puissant du niveau parfait. Un peu comme Devimon avec les engrenages, lui tire sa puissance de son réseau électrique. Ça doit être quelque chose qu'on doit pouvoir retourner contre lui. Oh, sinon tu as déjà remarqué qu'il porte un porte-clé en forme de Manzaemon. Et c'est plutôt mignon, non? Oh, ce détail m'a échappé, mais je ne pense pas que ce soit très important. Mais tu as raison, n'en mettons aucun détail. Sinon, il est toujours accompagné des Gazimon. Tu en sais plus sur eux? Oui, les Gazimon sont des Digimon mammifères virus du stade enfant, comme nous autres. Il y en a 4 importants qui sont sous les ordres de Etemon. Ils ne sont pas si dangereux, mais ils sont assez fourbes. Et typiquement, en s'alliant à d'autres Digimon virus, comme les Pagumon, et ça ne nous facilite vraiment pas la tâche. Ça n'annonce rien de bon pour Sora. Mais Tantomon, Etemon a également des ennemis, notamment ce Nanomon que nous avons rencontré dans la pyramide, non? Oui, Nanomon est un Digimon de type virus et de niveau parfait. Il est très intelligent et était destiné à réparer des ordinateurs. Et son combat contre Etemon l'a corrompu. Et maintenant, il ne pense qu'à sa vengeance. Merci pour ton aide, Tantomon. Tu devras aller te reposer. C'est important de bien récupérer pour que tu donnes le meilleur de toi-même demain. Quant à moi, je vais élaborer le meilleur plan qui soit pour le sauvetage de Sora et Pyomon. Oh, j'aime quand tu passes à l'action, Koshiro. Je compte sur toi, Tantomon. On va se montrer plus malin qu'eux grâce à notre éclair de génie. Bien dit, Koshiro. Préparez-vous, je serai survolté.